La sagesse. Le monde se passe. La justice. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion. Écoutez sagesse, vous ne serez plus jamais le même. Bonsoir à tous, merci d'être encore là à ce rendez-vous particulier, un rendez-vous qui va nous permettre de monter encore plus haut dans la compréhension des choses spirituelles. C'est bien sagesse qui est dans vos murs, et comme vous le savez très bien, eh bien cela demande que vous soyez pas distrait. Considérez-vous en plein dans un processus ascensionnel, dans un processus d'élévation pour le laps de temps qui nous reste pour arriver à la fin de cette émission. Donc, je disais bien, nous allons aller encore plus haut. Alors, quand on veut monter, eh bien, on enlève un peu les lourdeurs, on abandonne un peu ce qui nous attache davantage à la matière, et puis on essaie de s'élever. C'est à cela que nous vous convions. Et nous allons donc le faire ce soir. Eh bien, nous parlons de l'Antichrist. Un terme qui est connu surtout dans le christianisme. Et si nous regardons ce que nous suggèrent les différentes définitions du mot Antichrist, nous allons observer que cela a un rapport avec la négation ou le refus ou bien l'opposition à la lumière, donc à Dieu, parce que Dieu est lumière. Alors, donc, quand on parle, on pense à l'Antichrist, ou encore Antéchrist, parce que c'est le mot anti qui a évolué qui s'est transformé pour devenir anté. Alors, donc,
c'est une question de... Parce que vous savez, quand on dit hanté, ça fait penser aussi à ce qui était, ce qui est passé. Par exemple, en droit, on parle du statu quo ante. Alors, antichrist signifie ce qui s'oppose au Christ, ou bien ce qui combat le Christ. Or, qu'est-ce que c'est que le Christ? Le Christ, c'est la lumière. Et pas n'importe quelle lumière, mais la lumière divine. Donc, la lumière de Dieu. C'est Dieu manifesté pour la rédemption du genre humain. C'est Dieu manifesté dans la chair. C'est cela, Christ. Ça veut dire que quand cette lumière vient vers l'humanité, vient vers le monde, pour que le monde, par cette lumière, puisse être transformé, eh bien, cette lumière s'appelle, comme c'est le cas du christianisme, cette lumière s'appelle Christ. C'est pour cela que ce Christ a dit, par exemple, dans les Écritures, « Je suis la lumière du monde ». Et vous savez que quand on parle de lumière, cela veut dire aussi que cela évoque les ténèbres. Parce que la lumière, souvent, dans notre monde, dans notre espace-temps, eh bien, ça évoque toujours le souvenir de l'obscurité. Alors, est-ce que donc, si on parle d'antichrist ou d'antéchrist, est-ce que cela n'a pas donc un rapport avec les ténèbres, avec l'obscurité? Peut-être si on revient dans le domaine scientifique ou intellectuel ou philosophique, on va dire, est-ce que ce n'est pas l'absence de connaissance, donc l'ignorance? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, aussi la mort par opposition à la vie? Est-ce que Antichrist ne veut pas dire contre la vie? Mais alors, quelle vie? Est-ce que c'est la vie éphémère, la vie superficielle qui nous est proposée dans ce monde et qui fait que nous nous battions du matin jusqu'au soir pour la conserver? Pensez, lorsque nous sommes par exemple malades, on fait tout pour recouvrer la santé parce que faut pas qu'on perde la vie. Et en même temps, on est dans le paradoxe parce qu'on sait en même temps, on déclame et on déclare que les morts ne sont pas morts. Si les morts ne sont pas morts, pourquoi avez-vous peur de mourir? Si on a peur de mourir, ça veut dire qu'on meurt. Si le mort n'était pas mort, on ne craindrait pas la mort. Donc, vous voyez, vous pouvez tromper personne, hein? C'est quand vous dites là, les morts ne sont pas morts, mon ami, celui qui vous écoute, intérieurement, il rigole. Il dit, mon ami, tu as déjà vu qui mourir et continuer de vivre pour dire que les morts ne sont pas morts. Tu vois, qui croirait facilement à ce genre de choses? On déclare les morts ne sont pas morts. Et puis du coup, on se fabrique des ancêtres qui sont donc dans le domaine invisible, qu'on ne voit même pas, qu'on ne connaît pas. Et puis après, on dit, bon voilà, les morts ne sont pas morts. Alors, maintenant, donc, on peut comparer aussi donc l'absence de lumière, l'absence de connaissance, l'absence de gnose, l'absence d'éclairage, on peut comparer cela à la mort. Cela veut dire que quand on vous appelle, par exemple, un mort vivant, c'est que vous êtes... En fait, c'est les atomes matériels de votre corps qui brillent, qui émettent une lumière, et vous savez très bien, c'est une lumière qui est tellement éphémère qu'on ne peut même pas penser que c'est une lumière, parce que c'est comme juste une étincelle qui jaillit et puis elle disparaît. Donc lorsqu'on parle de Christ, on parle de la lumière divine, la lumière impérissable,
qui, lorsque elle vient vers les hommes, c'est pour les diviniser. Alors, c'est la même chose que vous faites, par exemple, vous, les hommes, lorsque vous apportez des connaissances, entre guillemets, aux autres, lorsque vous transmettez une éducation et consort, le résultat, c'est quoi? C'est que ces gens à qui vous avez transmis cette éducation deviennent comme vous. Donc, vous leur avez transmis des lumières, des éclairages sur des choses qui leur semblaient incompréhensibles. Et ainsi, ils vivent, entre guillemets. Donc, cela veut dire que quand la lumière divine aussi vient, en haut comme en bas, eh bien, elle vous apporte aussi des lumières, des connaissances, elle vous apporte des savoirs que vous devez intégrer. Et si vous intégrez ces savoirs, vous devenez lumière. Puisque quand les hommes transmettent la lumière, dont les connaissances, leur rayonnement intellectuel, émotionnel, physique, eh bien, psychique, les hommes en question deviennent comme les hommes. Donc, des hommes qui éduquent des hommes, le résultat, c'est des hommes qu'on va avoir en face. Donc, aussi, si la lumière divine et les serviteurs de la lumière, parce que il y en a, de même qu'il y a des serviteurs de la lumière éphémère, que je vais appeler tout à l'heure dans le développement suivant, je vais appeler cela la fausse lumière. Parce qu'elle, en fait, elle est fausse. Parce qu'elle brille aussi, mais elle est fausse. Alors, donc, la lumière divine, lorsqu'elle vient vers les hommes, c'est pour les rendre des dieux. Donc, pour les diviniser. Donc, celui qui reçoit la lumière divine redevient une divinité. Celui qui s'oppose à cette lumière devient exactement le contraire de la divinité. Or, si Dieu est lumière, les Allemands disent Gott ist Licht. Ou alors en anglais, God is light. God is light. Donc, Dieu est lumière. Quand il vient vers les hommes, eh bien, il peut venir que comme lumière. Alors, vous voyez donc, il apporte la lumière. Et comme la lumière, c'est la vie, comme la lumière apporte la vie, alors vous devenez des vivants, si vous recevez la lumière divine. Mais vous pouvez vous opposer. Et cette opposition, eh bien, pour comprendre donc ce que c'est que l'Antichrist, nous allons donc expliquer ce soir comment est-ce qu'on s'oppose à la lumière. Donc l'opposition vis-à-vis de la lumière, c'est cela qu'on appelle l'Antichrist, ou bien l'Antéchrist. Sûrement, avant que je ne commence, dans votre tête, vous commencez à vous dire, voilà, sûrement, il va nous parler des gens qui refusent d'aller à l'église. Ou des gens qui refusent d'aller dans les mouvements mysticaux, ésotéricaux, spiritualaux, tout ce que vous voulez. Sûrement, c'est d'eux qu'il parle. Donc, je peux déjà vous dire que si c'est à ça que vous pensez, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Parce qu'un mouton n'est pas un antichrist. Un taureau n'est pas un antichrist. Il ne le sera même jamais. Un oiseau n'est pas un antichrist. Un cochon n'est pas un antichrist. Donc, quelle que soit l'espèce animale, y compris l'homme-ci, l'homme animal-ci, non, il ne peut pas être un antichrist. Première affirmation dans ce soir, l'homme ne peut pas être un antichrist. Or, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire
à travers des déclarations du genre, par exemple, oh, tel président occidental européen, là, selon ce qui a été dit dans la Bible, vraiment, on a dit qu'il sera comme ça, il sera comme ça, ça doit être lui l'antichrist. Non. Aucun homme ne peut être antichrist. Parce qu'aucun homme ne peut s'opposer à la lumière divine. Tu ne peux pas. Qui es-tu? Comment tu peux t'opposer à la lumière divine? Mais Dieu, c'est un feu dévorant. Vous pouvez vous opposer à quelque chose qui rayonne à des fréquences vibratoires qui vont de quintillions, de plusieurs quintillions de vibrations à la seconde. Vous pouvez vous opposer à ça comment? De quelle façon? Est-ce que vous pouvez même voir ça? Regardez seulement les petits rayonnements infrarouges là, qu'on fabrique même avec les appareils là. Est-ce que vous voyez même ça? À plus forte raison, les vibrations d'une fréquence vibratoire très, très élevée, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et donc, pour combattre quelqu'un, pour s'opposer à une réalité, il faut être au moins de nature égale à cette réalité, oui ou non? Ben oui, c'est clair. Est-ce que tu peux te battre contre quelque chose que tu ne vois pas? Or, si tu vois cette chose-là, c'est que vous êtes semblable. L'homme voit ce qu'il y a autour de lui parce qu'il est semblable à tout ce qu'il y a autour de lui. C'est pour ça qu'il voit ça. Il est semblable au minéral. Il est même un minéral lui-même. Il a du minéral en lui. Il est minéral. Il est végétal. Il est animal. C'est pour cela qu'il voit le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. C'est pour ça qu'il voit ça. Dès qu'il a fini ça, il ne voit plus rien. Le reste, il ne voit pas. Donc l'homme, encore une autre affirmation ce soir, l'homme ne peut voir que ce qui est comme lui. C'est bien d'avoir, hein, ça c'est des axiomes, qu'on est en train de vous donner déjà là. Ça vous permettra de comprendre la suite. Alors, cela veut dire que l'opposant à la lumière, donc ce n'est ni un minéral, ni un végétal, ni un animal, ni un homme. Aucun, personne ne peut. Donc l'antéchrist ou l'antichrist qui est énoncé, qui est prophétisé dans les Écritures, donc ce n'est pas un homme, ça c'est clair. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un minéral. Alors si ce n'est pas cela, qu'est-ce que c'est donc? Nous avions déjà pourtant répondu à cette question dans les premières interventions. Nous avons parlé de la fausse lumière. Il n'y a que la fausse lumière qui peut, parce que malgré qu'elle soit fausse, c'est quand même la lumière. Et cette lumière-là peut donc s'opposer à la vraie lumière, à la lumière divine. C'est bien de comprendre ça. Maintenant, cette fausse lumière, qu'est-ce que c'est? Pour ne pas rester philosophique, ou trop abstrait ou intellectuel, on va donc voir concrètement qu'est-ce que c'est que la fausse lumière. Nous allons, pour le voir, venir donc dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vrai que tout ce qui brille n'est pas or. Mais ça brille quand même. Même comme ce n'est pas de l'or, mais ça brille quand même. Alors, si c'est, tout ce qui brille n'est pas or, cela veut dire que si quelque chose n'est pas vraiment or, ça veut dire que c'est une fausse lumière. Ok? Très bien. Alors, nous avons donc des exemples précis que nous allons prendre pour que vous compreniez ce que c'est que l'antichrist. Et pour le faire, nous allons d'abord revenir sur la structure de l'homme. L'homme est structuré de manière qu'il a une personnalité,
que nous connaissons avec ces corps, ces quatre corps-là, le corps physique, le corps vital, le corps astral et le corps mental. Nous voyons aussi très bien qu'il y a trois foyers de base avec lesquels il fonctionne. Le cœur, tout le monde le sent, le sait, le voit. La tête et puis le bassin, tout le monde le voit. Bien. Alors, vous avez donc ces sept-là. Et l'homme est donc ainsi. Et avec ça, il brille. Il brille. La preuve, vous le voyez, il vit, il est vivant. Mais comme c'est une lumière évanescente, à un moment donné, après quelques années, il meurt, il disparaît. Alors, maintenant, pour prendre donc cet exemple, sur le plan matériel, nous allons donc revenir sur la vie que donc cette personnalité mène au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'homme fait? Il mange. Il s'habille. Il construit des maisons pour se loger. Il se soigne quand il est malade. Il va à la recherche de l'homme ou de la femme quand il est seul. Il veut faire des enfants parce que c'est bien d'avoir des enfants, de fonder une famille. Voilà les préoccupations de l'homme. Voilà ce qui le préoccupe. Alors, dans ses préoccupations, il s'échine et se bat toute la vie, de réincarnation en réincarnation, de siècle en siècle, il se bat pour résoudre ces problèmes-là. Donc sa vie n'est que chercher à manger, chercher à trouver de quoi se vêtir, chercher de quoi construire sa demeure, chercher de quoi se soigner, chercher de quoi faire les enfants, chercher de quoi avoir un conjoint, chercher de quoi avoir tout ce qui sont les signes extérieurs de richesse ou de possession matérielle. Voilà ce en quoi il court. Il court toute la vie. Et tout ce qui peut concourir à la satisfaction de ses besoins, de ses besoins de base ou de ses désirs qui se développent au fur et à mesure, tout cela donc va donc nécessiter une très grande énergie de sa part. Ça va nécessiter une très grande énergie. Et il va donc vivre, il va s'épuiser donc pendant quelques dizaines d'années et il meurt. À cause de cet épuisement vient du fait qu'il se bat beaucoup pour pouvoir résoudre les problèmes dont on vient de parler. Même quand ces problèmes n'existent pas, il les crée lui-même pour pouvoir les résoudre. S'il ne les crée pas, d'autres créent. Et on l'amène à chercher les solutions. À l'époque, il était nu, il n'en avait point honte, disent les Écritures. Mais à un moment donné, on lui a dit que non, il faut mettre les habits à tout prix. Ben, on lui a créé un problème. Et il s'est mis à le résoudre. Je prends un exemple juste pour que vous compreniez que tous les problèmes, même dits essentiels de base, ne sont pas réellement des problèmes à la base. Au départ, ce n'est pas des problèmes qui sont venus de l'homme lui-même. C'est les autres qui ont cru pouvoir convaincre l'homme que ce n'est pas bien qu'il soit nu, qui ont créé le problème. Puis on dit bien que les hommes étaient nus dans le jardin d'Éden, ils n'en avaient point honte. Vous avez déjà vu les animaux chercher les habits? Hein? L'homme était comme ça. Hein? Il avait un vêtement d'une importance capitale. C'est ce vêtement-là qu'il devait absolument avoir pour que Dieu ne le trouve pas nu. Et dès qu'il avait ce vêtement-là, le reste n'était pas important. C'est cet atavisme-là qui est resté, par exemple, dans la vie austère des premiers chrétiens à l'époque qui ne mettaient pas l'emphase trop sur le vêtement, hein, des choses comme ça. Ils étaient d'une simplicité extraordinaire. Hein, ils marchaient avec des sandales. Tu vois, ils ne donnaient pas de l'importance aux vêtements. Mais vient donc après un moment où, au fur et à mesure que le temps passait, évidemment,
ces problèmes se sont créés et puis se sont mis aujourd'hui. Mon vieux, il faut les voir dans leurs vêtements et tout ça là, dans tout ce qu'ils portent. Ils ne roulent pas dans n'importe quel véhicule. À l'époque, c'était les vélos et tout. Donc, maintenant, ils sont... Voilà. Donc, vous voyez que cela a évolué comme ça. Alors, je voulais tout simplement attirer votre attention sur le fait que, en fait, nous déployons beaucoup d'énergie et au point où on a fait que ce déploiement d'énergie devienne une chose tellement indispensable et naturelle que personne ne peut plus vivre, ne peut même plus imaginer qu'on peut vivre sans vêtements. Pourtant, et je ne sais pas qui me démentira, les plus beaux moments que vous passez, les moments les plus succulents que vous passez avec vos dans la vie de tous les jours, là. Quels sont ces moments-là? Qui peut me dire? Ah, ils rient déjà, ils savent. Vous connaissez. C'est au lit. Et si vous êtes habillé? Cela veut dire que quand on passe les meilleurs moments, on est nu. Quand on est dans les mauvais moments, c'est là où on est habillé. Voilà. Ça veut dire vraiment, ce monsieur va nous faire tout entendre sur la tête. Pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais le problème, c'est que l'homme ne vit pas, il est inconscient. Il vit dans l'inconscience, il est vécu, il ne vit pas. Ce que je viens de vous dire là, vous n'avez jamais pensé à ça. Vous n'avez jamais pensé, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Mais quelle est cette histoire-là que c'est lorsqu'on fait l'amour qu'on est nu. Or, l'amour là, c'est le moment de joie le plus important que l'homme peut avoir sur la terre. Vous qui n'avez pas encore goûté ça, je vous le souhaite. Quand vous allez goûter ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qu'un prêtre a vécu quand il avait constaté que son voisin de prêtre faisait les choses là. Il avait compris pourquoi le prêtre gémissait, pourquoi il y avait des gémissements chez son voisin et tout. Et après ça, lui aussi, il est allé et dit que moi aussi, je dois goûter ça. Dès qu'il a goûté, il a dit, j'enlève la soutane. Il est parti. Voilà. D'ailleurs même, j'ai parlé de lui la semaine dernière, non, vous vous souvenez. Et j'ai même vu sa femme là hier. Et je lui ai dit que j'ai parlé de toi il y a une semaine. J'ai vu sa femme là, on était ensemble hier. Il dit que c'est comme ça, hein. Vous savez, la parole, elle est magnétique. Alors, je lui ai dit pourquoi est-ce que j'ai parlé d'elle. Il a dit que j'ai parlé d'elle quand je parlais de son mari qui avait abandonné la prêtrise pour la suivre. Et on a ri aux éclats. Voilà. Donc je ne vous raconte pas, ce n'est pas des légendes, c'est des choses vraies. Alors, donc, j'observe que l'homme, donc, les vrais moments, ça veut dire que pour qu'il soit bien, mais il faut qu'il soit nu. En haut comme en bas. Ça veut dire que pour que vous soyez aussi bien, même sur le plan spirituel, il faut que vous soyez nu. On n'aime pas en étant habillé. En haut comme en bas, je le répète. Si vous aimez Dieu, vous devez aller étant nu. C'est lui-même qui doit vous habiller.
Oui, oui. Nu. Or, qu'est-ce qui se passe? Les hommes veulent aller vers Dieu en costume. Et l'habit qu'ils ont, ce n'est pas seulement le tissu-ci. Non, c'est la richesse matérielle. Ils veulent aller vers Dieu avec la richesse matérielle. C'est un vêtement. Le vêtement, ce n'est pas seulement ça. Ils veulent aller étant riches. Et vous connaissez la parabole du jeune homme riche. Hein? Il était riche. Et le grand prêtre Jésus lui dit, eh bien, si tu veux avoir la vie éternelle, ben, il faut que tu vendes tout ce que tu possèdes et que tu me suives. C'est ça la condition. Ça veut dire qu'il faut te déshabiller. Très bien. Quand on a crucifié Jésus, est-ce qu'il était habillé? Mais il était nu. Il était nu. Hein? On ne crucifie pas les gens étant habillés. Je sais, j'en parle parce que moi j'ai été crucifié. On m'avait crucifié, j'étais nu. Entièrement nu. Donc, vous voyez que nous sommes, en parlant donc de ça, je me suis attardé un peu là-dessus pour que vous compreniez pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de la lumière, donc, de la lumière divine en particulier, donc de Christ, eh bien cela est une affaire plus sérieuse que ce que vous l'imaginez. Cela veut dire que c'est dans tout ce que vous cherchez, vous menez dans la vie de la personnalité. C'est avec votre passé, dans ce qu'il y a dans votre subconscient. C'est ce qu'il y a dans votre système microcosmique. C'est tout ça que, en permanence, le monde amplifie pour que vous ne goûtiez jamais l'avènement de la lumière divine. Donc, pour s'opposer à la lumière divine, il suffit juste de polariser en permanence sans laisser un seul moment de répit, eh bien, tout ce qui est éphémère. Voilà ce qu'on appelle l'antichrist. Vous avez vu? C'est loin de l'imagination de c'est un homme ou c'est une entité qui va apparaître. Non, il n'y a rien du tout comme ça. Alors, en quoi donc consiste maintenant? Qu'est-ce qui fait que les hommes aujourd'hui n'arrivent plus à aller à la rencontre de la lumière, donc de Christ? Eh bien, on leur a fabriqué un tas de choses après lesquelles ils courent. Ok? Ils courent après les premières places. Ben, ça a été fabriqué. Ils courent après la satisfaction des sens. Ça, c'est la vie de la personnalité. Ils vivent en fonction de leur passé. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent voir se répéter dans leur vie, c'est ce qui s'était déjà fait dans leur vie et qu'ils avaient trouvé, bon, agréable. Et ils veulent que ça se répète, oui ou non? Pourquoi vous aimez la nourriture? Mais c'est parce que vous vous souvenez que quand vous mangez, c'est bon. C'est pour ça que vous allez de la nourriture. Vous ne pensez même pas que c'est pour nourrir votre corps. Dites-moi la vérité. Qui d'entre vous pense au corps quand il mange? Vous n'êtes que là dans la satisfaction des sens et dans la répétition du passé. Voilà la vie de l'homme. L'homme n'est pas conscient. Je le répète encore, c'est pour ça qu'il ne vit pas. Il est vécu. Parce que c'est son environnement qui lui fait poser des actes, prendre telle ou telle direction. Hein? La femme est prête à se prostituer, mais parce qu'il faut qu'elle élève l'enfant. Oui ou non? L'homme est prêt à aller voler, à tuer même parfois, parce qu'il faut qu'il s'occupe de madame. Oui ou non?
Est-ce qu'il a fait ça parce que c'est un problème qu'il veut résoudre? C'est son problème qu'il veut résoudre? Non. C'est parce que l'environnement lui impose un certain comportement et certaines décisions qu'il prend. C'est tout. S'il est nu, s'il n'a rien que l'environnement lui impose, le gars est tranquille. Il est peinard et il est dans la joie. Comme on est dans la joie au lit quand on est avec le partenaire. C'est pour ça qu'on est nu. On est nu parce qu'on est dans la joie. Et celui qui entre dans la joie, il est nu. Et être nu, c'est enlever les vêtements qu'on avait. Ça veut dire c'est laisser le passé derrière soi. Le vêtement, le passé est un vêtement, a réussi à tisser un vêtement, une camisole de force terrible en chaque homme. C'est ce passé-là qui est dans le subconscient dont tu n'arrives pas à s'arracher. Et quand tout ce qui est de ce passé, eh bien, s'est installé en lui à travers la vie de sa personnalité, à travers la vie de tout son système microcosmique, depuis que son microcosme est apparu, de par l'aspiration et la respiration du prana, donc de la matière, hein, qui existe autour de lui. Hein? C'est cette respiration, c'est cette répétition des plaisirs et des désirs, c'est tout cela qui fait en sorte que sa personnalité se construise d'une certaine manière. Et tous les actes qu'il pose, c'est pour renforcer cette personnalité, la pérenniser et faire en sorte que donc il ne puisse jamais laisser la lumière divine entrer en lui. Vous voyez donc que finalement, on ne peut pas accuser quelqu'un qui n'est même pas conscient, qui ne vit pas consciemment. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il s'oppose à la lumière? Puisqu'il ne vit même pas consciemment. Cela veut dire que celui qui s'oppose à la lumière, c'est celui qui commence à vivre consciemment. Et quels sont ceux qui vivent consciemment? Ce sont par exemple les guides scientifiques, les guides religieux et tous ceux qui pilotent l'art en général. Ce sont eux qui font des choses presque consciemment. Il fait ça consciemment. Il sait que pour que j'aie beaucoup d'argent, eh bien, je dois développer telle chose que je vais donc pour laquelle je serai le seul à posséder le secret de la fabrication ou de je ne sais pas quoi, et après j'aurai beaucoup d'argent. Il le fait consciemment. C'est pour cela qu'on retrouve donc les industriels, les commerçants, qui consciemment donc agissent pour gagner quoi? De l'argent. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui travaille pour gagner de l'argent, qui sait qu'avec cet argent, il va acheter les médicaments, il va faire telle ou telle chose. Vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous voulez son suicide ou sa mort. Vous ne pouvez pas non plus le convaincre que ça c'est la fausse lumière. Il va vous demander que la vraie lumière est où. Vous ne pouvez pas demander, dire à quelqu'un qui passe le temps à aller rendre visite aux malades, à distribuer des vêtements et consorts et tout, et vous lui dites que il n'est pas un homme bon. Ou bien ce n'est pas bien ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas demander, dire aujourd'hui à Biden de ne pas larguer les bombes, de ne pas livrer les trucs en Ukraine, alors que c'est ça qui permet à son peuple de vivre. Hein? Il livre les armements à l'Ukraine. L'Ukraine paye en milliards. Ils payeront même peut-être même pendant 100 ans. Mais pourvu que ça permette aux Américains de vivre. Vous avez vu ça? Biden est quoi? À ce moment-là. Moi, je ne parle pas de l'individu Biden. Hein?
Je parle donc de l'État. Saisissez-moi bien. Hein? Donc, l'État est un des éléments qui composent l'Antichrist. Parce que l'État travaille pour le bonheur des citoyens. Qui peut redire quelque chose là-dessus? Rien du tout. C'est juste ce qu'ils font. L'État est bon, n'est-ce pas? Mais il construit des hôpitaux, fait des écoles, des routes, ainsi de suite. Vous pouvez dire que l'État est mauvais? Non. La religion, c'est la même chose. Vous pouvez demander, dire que les communautés religieuses qui passent le temps à prier pour que les gens soient, aient des richesses, aient des femmes, aient des hommes, hein, qui passent les examens, qui gagnent les matchs de football, les consorts. Vous pouvez dire que c'est mauvais? Non. Alors, donc, c'est la lumière, non? Mais c'est la lumière. C'est bien. Mais je vous dis donc ce soir, c'est la fausse lumière. C'est ça qu'on appelle la fausse lumière. C'est ça qu'on appelle l'antichrist. Et c'est cet antichrist actuellement qui est en train de dominer le monde en ce moment et il s'oppose à l'avènement de la lumière divine. C'est ce qui est décrit dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 24. Est-ce que vous voyez ça? Dans Matthieu 24, c'est ça qu'on a décrit. L'avènement, donc, tu vois, la fin des temps. Donc, ces fausses lumières, cet ensemble d'éléments qui composent la fausse lumière, se bat maintenant pour que le royaume des cieux, le royaume de la vérité, de la lumière divine, ne puisse jamais se manifester. Voilà ce qu'on appelle l'antichrist. Alors on est dans l'humanitarisme. On est dans les doctrines humanistes. On explique la nécessité de s'armer pour pouvoir être capable de vaincre l'ennemi. Qui peut dire le contraire de ça? Alors que la lumière de Christ ne peut jamais envoyer quelqu'un pour aller prendre les armes pour faire couler du sang. Vous avez vu la différence? C'est tout ça qu'on appelle l'antichrist. L'antichrist représente donc l'ensemble des forces, des organisations et des structures qui se battent corps et âme, inconsciemment, sans même le savoir, même comme certains soupçonnent. Ils se battent pour que jamais le Christ, la lumière, ne se manifeste pas. C'est cela qu'on appelle l'antichrist. Voilà l'antichrist. Je vous l'ai dit ce soir. Je ne peux plus rien ajouter parce que j'ai fait un développement qui vous a fait comprendre ce que c'est que la fausse lumière, donc l'antichrist. C'est tout. Même si, comme il y a une bourrasque en ce moment, même si l'émission s'arrête là tout de suite, parce qu'il y a un grand orage qui est en cours ici dans le village, même si ça s'arrête, l'émission, on a tout dit. J'espère que vous n'allez plus chercher un jour à savoir qui est l'antichrist. Je l'espère. C'est clair. Hein? Alors, nous allons souffler un peu et on va revenir pour lire un petit texte qui est contenu dans la Bible qui parle de cette question. L'esprit jaillit de Kabbalah. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'expose. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Sagesse.
sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion, science, sagesse, vous ne serez plus jamais le même. Sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion, science, qui permet au microcosme de vivre. C'est ce qu'on appelle le prana. C'est de ça que le microcosme vit. Pendant que le subconscient, lui, il vit du passé. Pendant ce temps, la personnalité, elle, elle vit du présent. Hein? Donc, il y a trois choses. La personnalité, le subconscient et le microcosme. Voilà les trois qu'il y a. Et tous se nourrissent
des choses de ce monde. Votre microcosme, votre petit cosmos, votre petit monde vit de ce que le grand monde, le macrocosme dans l'univers, lui donne comme élément. Sans ces éléments, il ne vit pas. Or, c'est une substance. Le prana est une substance. Même si c'est subtil, mais ça reste une substance. Alors, Gilles Dorothée nous dit, bravo grand prêtre, le voile est levé. Tant mieux, Gilles. Habib nous dit, est-ce donc la fin des temps selon l'Apocalypse de Saint Jean, ou est-ce la fin d'un temps? Sinon, quel lien faites-vous entre les prophéties de Jean et la venue de l'Antichrist ou l'Antéchrist? Tout ça, c'est la même chose. Je vous ai dit qu'il y a des périodes où ça signifie la fin d'un temps. Et il y a une période où ça s'appelle la fin des temps. Et à chaque fois, dans une période de 700 ans, dans une période de 2160 ans, 6500 ans, 12 000 ans, 25 920 ans, à ces différentes périodes, il y a la fin d'un temps. Donc la fin d'une période. Quand la langue sacrée parle des temps, d'un temps, ça veut dire une période. Vous comprenez? Il y a donc des périodes dans l'horloge de l'évolution de l'humanité, de la marche de l'humanité. Il y a donc une période de 700 ans, période de 2160 ans, de 6500 ans, période de 12 000 ans, période de 25 920 ans. C'est des périodes. Alors donc, actuellement, on est à la fin d'un temps. Et on est à la fin des temps. Parce que nous sommes à la fin d'un jour de manifestation qui contient des temps. Et la Bible dit, et la moitié d'un temps. Bon. Je ne vais pas expliquer tout ça ce soir. Mais c'est de ça qu'il est question. Donc, il y a des longues périodes de temps. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la période de la Terre. Cette période de la Terre, on est à la moitié de la période de la Terre. Parce que nous avons déjà traversé des temps pendant la période du soleil, la période de la lune, et on arrive à la période de la Terre. Et on va continuer maintenant à la période de Jupiter, de Vénus et de Vulcain. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes donc à la fin d'une période de 2160 ans, à la fin d'une période de 700 ans, on est à la fin d'une période de 6500 ans, on est à la fin d'une période de 12 000 ans, on est à la fin d'une période de 25 920 ans. Voilà pourquoi on peut dire que c'est la fin des temps. Si nous prenons les temps comme étant un jour de manifestation qui a 26 000 ans à peu près. Bien. Alors, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous parle de la fin d'un temps, des temps, de la moitié d'un temps et des temps. C'est-à-dire que l'Apocalypse est en même temps une affaire de la destruction du microcosme actuel de l'homme pour qu'un nouveau microcosme se manifeste, de la destruction de la personnalité actuelle de l'homme pour qu'une nouvelle personnalité se manifeste, de la destruction de notre du passé pour que le présent éternel, l'éternité, s'installe. Voilà comment ça se passe. Alors, Pélagie nous dit bonsoir sagesse, merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Vous avez dit que la personnalité ne peut s'opposer à la lumière. Cela ne veut-il pas dire que l'homme n'a rien à voir avec tout ce qui se passe et qu'il doit continuer sa vie comme si de rien n'était? Qui vous a même dit de ne pas continuer? Mangeons et buvons car après ça nous mourrons. Si Christ n'est pas, ça veut dire si Christ, c'est-à-dire si la vraie lumière, si ce n'est pas pour ça que nous vivons, dit donc, pourquoi vous cassez la tête?
Je vous dis que si votre préoccupation n'est pas la résurrection du Christ, n'est pas l'avènement du Christ, la lumière divine, ne vous privez de rien. Quel que soit ce que vous faites, vous allez mourir. Pourquoi vous vous cassez la tête? Hein? Ici, là, tu sèmes le mal, tu récoltes le mal ici. Ne te casse pas la tête. L'homme, tu fais le mal ici, tu récoltes le mal ici. Vous croyez que tu le récoltes où? C'est ici que tu récoltes. Donc pourquoi tu te casses la tête? Fais ce que tu veux, mais ne trompe pas, c'est ça qui n'est pas bon. Tu ne mentiras point. Voilà le mensonge qui est dangereux. Ce n'est pas de dire à ta femme que j'étais en réunion avec mon patron alors que tu étais avec une petite. Vous croyez que c'est ça le mensonge? Le mensonge dont on parle dans la science spirituelle, dans la spiritualité, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas dire que je suis en Balmayo, je suis à Yaoundé, alors que tu as déjà pris l'avion, tu es déjà à Paris. Comme il y a les téléphones. Est-ce que ça, c'est un mensonge? Les animaux mentent. Est-ce qu'un animal ment? Pourquoi si vous êtes un animal, vous vous cassez la tête, pourquoi? Vivez votre vie. C'est ce que j'ai alors dit, que la personnalité ne peut pas s'opposer à la lumière. Un animal peut s'opposer à la lumière comment? La personnalité est animale. J'espère qu'en même temps, vous avez ce soir une consolation quand même. Et ça, c'est pour libérer l'homme. Parce qu'on l'a enchaîné avec des doctrines qui l'empêchent même d'être un peu lucide. Avec le dogmatisme, on l'a enchaîné. Donc, quand le message qu'on vous passe là, c'est pour que vous soyez, mettez-vous à l'aise. On vous a fabriqué les péchés que vous partez confesser chez les prêtres. Ce n'est pas possible. Vous confessez les péchés chez les pasteurs. Eux-mêmes, ils font quoi? Tu te confesses chez un pécheur. Tu n'as pas honte. Il fait la même chose que toi. Tu peux lui raconter quoi? Oh. Angelo nous dit, les âmes qui sont dans l'au-delà et qui vampirisent les vivants, sont-ils aussi considérés comme des antichrists? Non! Cela, il n'y a pas de problème. À l'heure actuelle, la lumière est en train de bombarder. Ils sont obligés de quitter l'au-delà pour s'incarner. C'est pour cela que, malgré tout ce qu'on fait, pour ralentir la progression de l'humanité, du nombre de personnes sur la Terre, la population ne peut qu'augmenter. Parce que les gars là, c'est chaud dans l'au-delà. Ils sont bombardés, ils sont obligés de revenir ici. La population ne va faire qu'augmenter. Hein. Ben oui. Donc ne vous cassez pas la tête. Ils ne peuvent pas s'opposer. Alors Marie, elle nous dit, bonsoir maître. Qu'est-ce qui, d'après vous, est à l'origine de l'antéchrist si la personnalité actuelle est dédouanée, en sachant qu'elle est à l'opposé de la vie spirituelle? Est-ce que vous étiez là? Vous étiez là quand l'homme a chuté? Vous vous rappelez de quoi? Je vous dis, hein, le problème c'est ceci. Hein. Vous savez, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Vous pouvez écouter, vous ne comprenez rien du tout. Vous n'étiez pas là. Est-ce que c'est vous là, vous la personnalité qui me regardez là, c'est vous qui avez péché? La personnalité n'a jamais péché. C'est actuellement que vous faites vos petits péchés là, quand vous mentez un peu votre mari, alors que vous êtes avec un show à côté, quand vous mentez la femme. Ça c'est le petit truc, ça le péché. Ah, faites, dis donc. Il n'y a pas un problème avec ça. Ça, c'est des petits trucs. Il ne faut pas qu'on vous embête. Parce que les gens marchent à chaque jour. Oui, vraiment. On a dit aujourd'hui dans l'évangile de Paul que vraiment,
Vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous pouvez devenir parfait. La personnalité peut être parfaite. Non, vous me dites-moi. Même si vous faites quoi, vous allez toujours faire caca. Non? Pourquoi les hommes s'embrouillent du tout? Quand vous avez quelqu'un qui se vante devant vous, même s'il est chef de taille et n'importe quoi, pensez seulement qu'il fait aussi caca comme moi. Ah, c'est fini. Imaginez-le dans sa chambre. Vous pouvez imaginer, même si vous prenez n'importe quel chef d'État là, vous imaginez qu'il est là en ce moment, il doit être assis en train de faire caca. Il vous dépasse en quoi? Juste parce qu'il a les honneurs de quelques jours. La différence c'est quoi? Ah, dis donc, le sait. Vous nous fatiguez avec tout ça. Donc on ne dédouane pas la personnalité. Elle n'a rien fait. Une histoire qui a apparu juste avec deux gars qui étaient en train de faire l'amour, ils étaient contents et le gars apparaît, vous dites qu'ils ont fait quelle faute. La personnalité a décidé de venir ici. Comment elle peut être responsable de ce qu'elle fait? Il ne faut pas que ça vous embrouille, hein? C'est un discours un peu... Ne suivez pas seulement l'émission d'aujourd'hui, après vous dites que... Voilà les enseignements que nous disons. Il faut suivre l'ensemble de nos... Parce que si vous prenez rien que l'enseignement de ce soir, vous pouvez faire comme ça, vous dire que non, je crois que ça c'est l'enseignement de Satan. Ça. L'antéchrist alors lui-même. Bon, ok. Alors, donc, ce qui est à l'origine, c'est ça la question de Maria, à l'origine de l'antéchrist, c'est tout simplement que il y a des entités humaines divines qui, à un moment donné, ont commis une erreur et leur nature a changé. Dès que cette nature a changé, ça produit donc la personnalité que nous connaissons aujourd'hui, qui est là devant vous, là. C'est tout. Voilà l'origine. Et c'est en ce moment-là que l'opposition a commencé. C'est pour cela que, par exemple, dans la Bible, on vous dit que, même dans le Coran, Iblis, c'est un ange déchu. Tu vois? Un ange, c'est quand même une entité qui brillait, non? Qui avait la lumière divine. Mais elle a fait une faute. Et sa nature a changé. Et quand sa nature a changé, il a commencé à rayonner une fausse lumière. Et ensuite, s'est enclenché un long processus de déchéance et de densification. Jusqu'au produit que nous connaissons actuellement. On n'était pas comme ça dès l'origine. Hein. Au début de notre chute, on n'était pas comme ça. Ça, c'est la densification extrême dans laquelle nous sommes déjà arrivés. On était plus léger, plus subtil. Hein, au fur et à mesure. On n'avait pas les gros yeux actuels là. Avec lesquels on effraie les gens. Bon, alors. Mokhtar nous dit, bonsoir papa, j'aimerais savoir une chose. S'il vous plaît, peut-on réaliser l'ascension en étant dans une religion telle que l'islam? Hein? Ah! Ya! Yeah. Non, votre question là, vous-même, vous savez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux islams. Il y a l'islam des animaux et il y a l'islam des hommes. Avec l'islam des hommes, vous pouvez réaliser l'ascension. Avec l'islam des animaux, vous n'allez jamais réaliser l'ascension. Si vous voulez en savoir davantage, vous entrez, vous sollicitez de découvrir les enseignements de notre école. Vous allez savoir quel est l'islam des hommes et quel est l'islam des animaux.
Alors Siddhartha nous dit, grand prêtre, derrière vous, il y a deux figures. Dites-nous, l'antéchrist est noir ou blanc? Laissez-moi voir moi-même les figures. Non, il doit être blanc. Il est blanc. Parce que c'est avec le blanc là qui trompe. J'espère que vous avez la réponse. Alors, Gilles Dorothée nous dit, grand prêtre, merci pour ces révélations profondes. Comme il est écrit dans la Bible, many are called, few are chosen. Tout à fait réel. Zambou Alain nous dit, bonsoir grand prêtre, l'antéchrist vient donc, tu fais qu'on ne veut pas redevenir nu. Mais qui peut être considéré comme nu? Celui qui est considéré comme nu, c'est celui qui a abandonné consciemment le passé, qui a accepté de mourir au sensible pour renaître à l'intelligible, comme disait un grand penseur de l'époque grecque. C'est celui qui a accepté de troquer la vie éphémère contre la vie éternelle. C'est celui-là. Être nu, devenir nu devant le Seigneur, c'est venir sans rien. Devenir comme un enfant. Un enfant n'a rien. Il n'a pas de possession. Il n'a rien. Il est candide. Donc, il est candidat. Donc, devenez un candidat au mystère. Voilà ce qui vous ouvre la porte de l'ascension. Voilà ce qu'on appelle la nudité. Nino nous dit, pour l'Afrique chaude, bonsoir famille, puis-je savoir, existe-t-il des êtres divins qui ne sont pas influencés par l'essence du corps humain, qui sont des hommes, et comment les reconnaître, que font-ils de différent? Très bien. En cela, je voudrais encore le dire. Je crois que je l'ai même dit dans un post sur Facebook aujourd'hui, parce que j'ai vu un truc là, j'ai mis un petit commentaire là. J'ai dit ceci. Eh bien, un homme ordinaire ne peut pas reconnaître le Christ. Ce n'est pas possible. Je réponds à votre question. Il n'y a aucune différence entre lui et les autres hommes. Donc vous ne le reconnaîtrez pas. Puisqu'il porte le vêtement humain. Mais vous le reconnaîtrez à ses œuvres. Ses œuvres sont éternelles. Les œuvres de celui qui est réalisé sont éternelles. Voilà en quoi vous pouvez le reconnaître. Mais vous serez encore là. Vous serez déjà mort. Vous ne vivez que le temps de quelques décennies. Le temps de voir ses œuvres. Aujourd'hui, quels sont? Qui peut me donner le nom des gens dont on voit les œuvres jusqu'à maintenant? Qui peut me donner un nom? Même dans la salle ici. Platon. Osiris. Platon. Platon. Jésus-Christ. Socrate. Pythagore. On voit Pythagore. Le Bouddha. Krishna, on voit les œuvres. Jusqu'à l'heure actuelle, on voit les œuvres. Est-ce que ce n'est pas vrai? Le plus souvent, donc, c'est que si tu attends de voir ça, de reconnaître ça pendant que tu es là dans ton petit laps de temps, là, c'est compliqué. Il n'y a qu'une seule façon de le reconnaître. C'est de devenir comme lui, intérieurement. Parce que lui, il a un vêtement. Il a un vêtement qui a été tissé par Dieu lui-même. Et non par lui. Et ce vêtement de fin lin, dont la Bible dit c'est le vêtement des saints, c'est dans l'Apocalypse. C'est Dieu qui coud ça. Ça va? Si vous n'avez pas ce vêtement, vous ne pouvez pas reconnaître. Alors mettez-vous en route, travaillez pour ça. C'est pour cela que cette école existe. Là où nous essayons de vous amener ce soir, c'est pour vous amener jusqu'à la limite
pour que personne ne puisse plus vous tromper. Oh mon Dieu, est-ce que je devrais même transmettre ce genre d'enseignement? Alors Maria revient, maître, vous semblez donner raison à ceux qui vous ont taxé de mère, hein? Je ne sais pas. Mère. Ah, de mère. Lorsque vous avez parlé du mariage de Jésus, l'enseignement de ce soir va réveiller les morts et ressusciter d'autres désaccords. Bon, mais c'est ça, non? Est-ce que quand la lumière vient, est-ce que c'est pour qu'il y ait les accords? C'est pour qu'il y ait les désaccords. Lorsqu'elle se manifeste, qu'est-ce qu'elle dit elle-même? Je viens pour la chute et pour la résurrection de beaucoup. Donc il y a et la chute et la résurrection. L'épée à double tranchant. Je viens, je sépare. Je mets les boucs d'un côté et les brebis de l'autre. Je prends un dans la maison, je laisse l'autre. Voilà comment elle parle. Hein? Donc elle ne vient pas pour qu'il y ait l'accord. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, Sommet nous dit bonsoir les égyptosophes. Bonsoir, Papa Tao. Qui a appelé le bon démon? Merci. Le bon démon, c'est celui qui a fait, qui a manifesté le monde divin en lui. Il est devenu un bon démon. Vous voyez, toujours dans démon, je vous ai dit que dans démon, vous retournez, il y a monde. Donc il y a le monde divin et il y a le monde terrestre. Le monde actuel, le monde corrompu. Le bon démon, c'est celui qui a retourné, qui a reconstruit, qui a travaillé de telle sorte que le nouveau monde apparaisse en lui. Voilà. L'artiste nous dit, Macron est-il l'antichrist? Ah, il fait partie de ce qu'on appelle l'antichrist. Il fait partie de ce qu'on appelle l'antichrist. Mais il n'est pas l'antichrist, lui. C'est lui donner beaucoup d'importance. Siddhartha nous dit, grand prêtre, entre les noirs et les blancs, quelle est la race? Hein? Entre les noirs et les blancs, quelle est la race qui est proche de l'antichrist? Vous me cherchez. Tout à l'heure, vous revenez avec la même question d'une autre manière. Vous avez demandé les images qui sont derrière moi là. L'entité blanche là et l'entité noire. Qui est proche? Qu'est-ce que vous avez me dit? Qui est l'antichrist? Je vous ai dit que c'est celui qui est blanc. Maintenant, vous revenez maintenant pour dire que entre les noirs et les blancs, quelle est la race qui est proche de l'antichrist? Montrez-moi quelle est la race. Est-ce que vous connaissez une race blanche? Ça n'existe pas. La race noire, après dépigmentation, a fait une race claire qui est teintée d'un peu de, tu vois, qui a des tendances jaunes, des tendances machin, mais il n'y a pas de race blanche. Ça n'existe pas. Elle est où, la race blanche? Vous connaissez le blanc, non? Vous voyez pas le blanc? Voici le blanc. Vous avez déjà vu le teint de quelqu'un comme ça? Vous voyez comment on lobe les gens? Et tout le monde a cru à ça. Hein? On dit que la race blanche. Vous êtes blanc où? Et tous, hein? Tous, tout le monde est d'accord, les chefs d'État, les scientifiques et tout, ils disent race blanche. Montrez-moi le blanc. Vous demandez ça à ces gens-là, ils sont coincés. Il n'y a pas de race blanche. Il y a la race noire. Dès que le soleil te brûle au fur et à mesure, tu deviens noir. C'est clair. Et c'est à partir de là que tout le reste va avoir lieu. Donc le noir n'a jamais été, je peux même dire, le noir, c'est la concentration de toutes les couleurs qui existent. C'est le noir. Hein?
C'est pour ça que le noir absorbe les rayons du soleil. Le noir boit. Il boit les rayons du soleil. C'est la seule race qui existe. Il n'y a pas d'autre race. Dès que tu quittes la zone chaude, tu te dépigmentes. Dès que tu reviens dans la zone chaude, tu te repigmentes. La mélanine redevient au niveau de la peau, sur l'épiderme et tout ça. C'est tout. Dio, Siddhartha, c'est lui qui répond à Siddhartha. Siddhartha, il y a la race des hommes, peu importe la couleur. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a qu'une seule race. La race des hommes. John Lee nous dit, comment priez-vous? Mis à part votre manière de vivre, comment priez-vous? Est-ce que vous vous prosternez? Invoquez-vous Dieu ou vos ancêtres? John. Sauf si vous êtes nouveau dans l'émission Sagesse, on a déjà parlé des ancêtres. Il y a tellement de choses dont on a parlé. Si vous aviez suivi ces émissions, vous ne parlerez pas comme ça. Moi, je vous invite tout simplement à écouter nos vidéos. Il y en a beaucoup sur YouTube. Et puis, restez connectés, écoutez toutes nos émissions que nous produisons. Écoutez Afrique Média le samedi à 13h30, toutes les semaines. Vous allez, parce que votre préoccupation nous entraîne dans beaucoup de choses qu'il faut dire à la fois. Donc, la prière, on en a déjà parlé énormément. Donc, je voudrais vous dire, nous prions. Notre vie est une prière. C'est-à-dire, toute notre vie, nous ne cherchons que à diviniser notre être, à devenir, à recevoir la lumière divine et à devenir des lumières pour le reste de l'humanité. Voilà notre prière. Il n'y a que ça. Nous ne faisons que ça. Je ne sais pas si quand vous parlez de prosterner ou bien vous parlez des positions du corps ou des genoux flexion ou de quoi, je ne sais pas. Le simple fait de parler comme on parle aujourd'hui là, de la lumière et tout, ce n'est pas une prosternation. On se prosterne. Parce qu'on se rend compte, on dit, il n'y a pas autre chose de supérieur à la lumière. Et on lui voue tout notre culte. Voilà. Donc les ancêtres, on en a déjà aussi parlé. Mais nous, on sait que les ancêtres libérés, de ceux qui sont devenus des lumières, on n'a même pas besoin de les prier, de leur demander quoi que ce soit. Ils soutiennent tout travail qui permet d'aller vers la divinisation de l'être pour ne plus être obligé de dépendre des ancêtres. Parce que si vous continuez à dépendre d'une créature, vous n'êtes pas libre. L'artiste nous dit, Siddhartha est peut-être Kamit. Qui sait? Ça doit être un Kamit, Siddhartha. C'est un Kamit. C'est pour ça que, par exemple, ces questions-là, tu sens. Siddhartha, voilà. Il y a quelqu'un qui a compris que vous êtes Kamit. Maria revient. Si nous nous déshabillons de notre structure animale, avec qui ferons-nous l'amour? Et comment va-t-on le ressentir en entendant le Christ? Quelle est la garantie que nous puissions atteindre la nuit pour voir apparaître les cieux pour nous rediviniser? Très bien. La chair, la personnalité, elle est comme un, on appelle ça, un habit de secours, en attendant d'avoir le vrai vêtement. C'est un vêtement de secours. Ce vêtement de secours a été fabriqué par les Elohim qui avaient chuté, pour qu'ils puissent, en attendant qu'ils reprennent la route, porter quand même celui-là. C'est tout. Nous ne disons pas qu'il n'est pas important. Nous disons seulement que ce n'est pas avec ce vêtement qu'on entre dans le royaume de l'éternité. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La seule garantie que nous puissions atteindre, c'est d'accepter la transformation. Si vous ne vous transformez pas, si vous ne recevez pas la lumière, c'est la seule garantie, c'est de recevoir la lumière. Or, pour recevoir la lumière, on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres. Vous n'allez pas recevoir la lumière alors que vous choisissez de vivre dans les ténèbres. C'est pour cela que l'antéchrist fait tout pour que personne n'imagine même qu'il y a
que la lumière existe. Il a pris le contrôle de l'Église, de l'État, et puis de toutes les structures politico-économiques et tout ça. Il a pris le contrôle de tout, et il tient tout le monde avec ça. Et oui, monsieur, personne n'y échappe. Du plus pauvre jusqu'au plus riche, du chef d'État jusqu'au balayeur de rue. Tout le monde est pris dans la raque, dans le système. Voilà comment il fonctionne. Maintenant, pour sortir de là, il faut une autre force. Cette force donc est amenée par les messagers de la lumière qui s'incarnent comme tout homme, qui prennent le vêtement de corruption que nous voyons là. Et ils se mettent à travailler parce qu'eux, ils deviennent conscients de la nécessité, par un appel intérieur qu'ils ressentent, par la structure qu'ils amènent à l'existence, ils sont capables de devenir conscients de la vacuité de ce monde et de pouvoir donc maintenant conduire leurs frères dans ce monde de la lumière. C'est la seule condition. Sans messager de Dieu, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut. Ce n'est pas possible. Un homme qui est pris dans les raies de l'ignorance et de l'obscurité ne peut pas soupçonner un seul instant que la lumière existe. Vous connaissez le mythe de la caverne. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir que les travailleurs de la lumière s'incarnent, viennent sur la terre, et comme demandait quelqu'un aujourd'hui, comment on peut reconnaître donc ceux qui se sont christifiés? Vous ne pouvez pas les reconnaître, mais seulement à leurs œuvres. À quoi reconnaît-on celui qui l'a fait? Jésus répond, mais c'est à travers les œuvres. À travers les œuvres que je vois, vous ne voyez pas que j'ai la foi en Dieu, en mon Père? Celui qui m'a vu, a vu le Père, parce que je témoigne de mon Père, parce que je fais sa volonté. Et ses œuvres sont manifestes. Voilà comment Jésus parle. Regardez les œuvres. Est-ce que le message, par exemple, que nous vous apportons ce soir, dites-moi de manière honnête, vous avez entendu ça dans votre église? Vous avez entendu dans les ordres initiatiques et consorts là, qui vous racontent des histoires de régénération, de christification, alors que le message que je vous apporte là, le voilà. Ce sont ces mêmes personnes qui polluent l'humanité avec les pseudo-pouvoirs qu'ils acquièrent à travers des exercices et tout ça. Mais ils ne peuvent pas vous parler de ce que je vous parle ce soir. Nous mettons plutôt ça à nu. Tous les mouvements, tous les ordres initiatiques et consorts que vous voyez là, c'est ça l'antichrist. Ils ne font que se battre pour que la lumière ne se manifeste jamais du tout. En encourageant les gens à ne vivre que la vie de ce monde. C'est eux qui inventent toutes les calamités. Tout ce qu'on fabrique pour tuer les gens, qu'on injecte aux gens par-ci, par-là. C'est eux qui fabriquent tout ça. C'est eux qui inventent tout ça. C'est eux qui distillent la peur partout. C'est eux qui font croire aux gens qu'on ne peut pas vivre si on ne prend pas la voiture. On ne peut pas vivre si on ne prend pas l'avion. On ne peut pas vivre si on ne va pas à la lune. C'est eux là, voilà l'antichrist. C'est eux qui vous font croire qu'on ne peut pas aimer les gens si on ne se déplace pas, si on ne voyage pas pour aller. Qui vous a dit? Qui vous a dit? Il manque des gens autour de vous. Voilà ce qu'il vous raconte. Oui, oui, mais monsieur Moubiton, quand vous voyagez en avion. Mais je voyage en avion uniquement pour aller chercher ce qui est perdu. C'est tout. Je n'éprouve aucun plaisir, moi, à voyager par avion. Aucun. C'est même des risques terribles. Tu te retrouves à 10 000 km d'altitude avec probablement un bandit qui hier a commis un crime même avant de prendre l'avion. Il a bagarré avec sa femme, après il vient conduire l'avion et les gens sont là. 10 000 mètres d'altitude. Et vous pensez que moi j'entre là-bas à cœur joie?
Mais c'est des sacrifices incroyables. Je n'éprouve aucun plaisir à prendre l'avion. Mais c'est dangereux, monsieur. Quand on vous parle de sacrifices pour le salut de l'humanité, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à bouger? Je fais quoi même? Prendre la voiture même pour aller quelque part, je ne vais pas chercher quoi? Ça me fait perdre du temps même. Au lieu de contempler la lumière. Tu perds le temps à aller rencontrer des gens qui te racontent n'importe quoi. Vous voyez ça? Donc voilà l'antéchrist. Il vous dit qu'il n'y a rien, c'est ceux qui vous racontent qu'il y a le royaume des cieux, ils vous racontent des histoires. Voilà leur discours. Alors, nous allons prendre... Oh là là, il y a beaucoup de réactions. L'artiste qui nous dit, est-ce que l'intelligence artificielle va vouloir prendre le contrôle de l'humanité, une partie de l'antichrist? C'est toujours l'antichrist, l'intelligence artificielle. Informatique, télématique, et machin tic, tous les tics, c'est l'antichrist. Mais vous ne comprenez pas ça? Tous les tics que vous connaissez, c'est des tics qui vous bouffent le sang. La Bible nous dit, beaucoup trop de personnes seules en Europe, la vie est pourtant simple comme un bonjour et même se dire bonjour de nos jours est compliqué. L'union dans le discernement, c'est la force. Très bien. Mais c'est compliqué, les gens sont pris dans la raque de l'antichrist. On manque de se dire bonjour comment? Égoïsme à outrance. Voilà l'antichrist. Voilà des gens qui vous parlent de aimer le peuple, aimer ceci alors qu'ils vivent une vie tellement égocentrique. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur jouissance. Mais ils vous disent qu'ils travaillent pour vous. Des menteurs fiefés. Voilà l'antichrist, le père du mensonge. Alors, Habib nous dit encore, la solitude est vraiment l'antichrist. Très bien. Vous avez compris. Parce que les antichrists n'aiment pas beaucoup être... Ils sont avec les gens pour les manipuler à leur profit. Mais jamais ils ne veulent être avec les gens. Jamais du tout. Quand vous voyez quelqu'un qui vous approche et ne veut pas être, n'aime pas, mais il veut être avec vous, parce qu'il sait qu'il va tirer quelque chose pour sa propre vie égocentrique, sachez que c'est un serviteur de l'antéchrist. Alors, John Lee nous dit, le Christ est-il en nous, ou est-ce vraiment ce que nous enseignent les religions, une copie d'Osiris? Ce n'est pas une copie d'Osiris. À l'époque, là, on appelait Christ Osiris, c'est tout. Et en fonction des lieux de là où la lumière se manifeste, on lui donne un nom. C'est Osiris, c'est Krishna, c'est Christ, tout ça là, voilà. Ce n'est pas qu'il y a copie, il n'y a pas de copie. Il n'y a pas de copie là, ni de plagiat, il n'y a rien. C'est comme ça. Le Christ, nous avons un principe christique en nous qui doit être polarisé par la grande lumière christique. Macrocosmique, si vous voulez, cette étincelle christique doit être polarisée afin que, enflammée par l'amour divin, donc par le feu divin, une construction ou une reconstruction d'un nouvel être a lieu à l'intérieur de cette personnalité que nous sommes là. Pendant que vous vivez là, cet être se construit au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, ils prennent tellement le pas de l'ancienne personnalité que l'ancienne personnalité finit par être absorbée par la nouvelle personnalité. C'est ce qu'on appelle la fusion, fusionner, réaliser la régénération et participer à la résurrection avec le Christ ou avec Osiris. Habib encore, personne n'est fait pour vivre seul, sauf bien sûr le bon Dieu, même lui-même. Est-ce qu'il vit seul? Il est avec sa femme. Est-ce qu'il peut vivre seul? Il est avec sa femme.
Vous voulez me demander où est sa femme? Ou qui est sa femme? Bon, heureusement que vous savez déjà. Alors, Adrien nous dit, bonsoir Papa Tao, qu'est-ce qui fait en sorte que nous cherchions à devenir un Christ? C'est le Christ qui est à l'intérieur de nous qui nous pousse à devenir Christ. Parce qu'on a une étincelle de Christ en nous. Celui qui n'a pas cette étincelle ne peut jamais chercher Christ. Il est emprisonné par l'antéchrist et il vit à son service, c'est tout. Mais il peut donner l'impression de vouloir vivre la vie religieuse, spirituelle. Il dit, moi j'aime la spiritualité, vraiment moi, alors qu'en réalité, il n'y a rien. John nous dit, vous devriez écrire un livre afin que l'on puisse suivre et mettre en pratique vos enseignements. Le livre est en train de s'écrire. La Bible revient, les hommes, les femmes et les enfants se divisent. La solitude est devenue maître en Occident. L'antichrist nous a divisés pour mieux régner. Voilà, vous avez compris. C'est ça qu'il cherche. Il crée les classes tous les jours. Il crée les divisions tous les jours. Pour que jamais l'unité ne se réalise. Il a horreur de la vie communautaire et horreur de l'unité. L'unité le rend fou. Angelo nous dit, pourquoi les travailleurs de la lumière ne s'incarnent pas nombreux pour influer considérablement l'humanité? Ils sont même nombreux. Je vais vous dire. Ceux qui sont en incarnation sont peu nombreux. Mais non incarnés, ils sont nombreux comme ça. Comme la Bible l'appelle, c'est une nuée de témoins. C'est d'eux que la Bible parle. Quand elle parle d'une nuée de témoins. Ils sont très nombreux, je vous dis. Hein, ne croyez pas que quand vous voyez les gens faire... Très nombreux. Mais alors, ils appliquent ce qu'on appelle la sainte démocratie. Tant qu'une âme ne cherche pas la vérité, elle n'est pas mûre, il n'influence ça en rien. Mais dès qu'il y a réaction d'une âme qui cherche la lumière, ces gens-là viennent et rayonne une lumière extraordinaire, éblouissante. Et attaque le système nerveux, le système égocentrique de l'homme. Je vous dis qu'il l'attaque. De manière réelle, hein, je ne vous parle pas, c'est une guerre. Ils attaquent ce système. Mais il faut que de l'intérieur de l'homme, qu'il veuille qu'il y ait cette transformation-là. Tant qu'il n'y a pas cette réponse à l'appel, jamais ils n'interviennent. C'est la règle d'or. Ne donnez pas la nourriture sainte aux chiens, ni des perles aux pourceaux. Ils respectent cette règle avec une très grande rigueur. Donc, nous ne sommes pas seuls. Vous pensez, vous là, que si moi qui vous parle comme ça, si je n'étais pas soutenu par toutes ces entités-là, vous pensez que je pouvais encore parler? C'est toute une armada, monsieur. Alors, Gilles nous dit, c'est unique, vos prêches, des révélations inédites, des connaissances sacrées. Merci, Gilles. Zambou nous dit, il faut donc recommencer tout à zéro, et de zéro va sortir le chiffre 1. La vérité, vous avez tout compris. Il faut recommencer tout à zéro. C'est ça. Le principe, c'est ça. À zéro. Passé, fini, on n'y pense plus. On ne vit plus sur la base de l'environnement qui nous dicte ceci. Jamais. Ah oui, ça c'est clair. Et en cela, celui qui est engagé dans la voie de la régénération est un révolutionnaire. Parce que personne... Même pas sa femme, même pas son mari, même pas son père, sa mère, son fils. Personne ne lui dicte plus rien. Il ne vit plus en fonction des gens. Il n'est guidé que par la lumière divine. Il s'en fout de ce que les gens penseront de ses actes qu'il a posés. Ce n'est pas eux qui le jugent. Il continue sa route. Voilà comment ça se passe. Donc, tout repart à zéro. On devient vide.
Parce que le zéro est apparemment vide. Il n'y a rien. C'est ça qu'il faut devenir. Voilà la base de la récréation de l'homme immortel. Dieu nous dit, les travailleurs de la lumière sont tellement... Lorsque l'on partage la lumière, ne serait-ce qu'un peu, on l'attire. Elle vient à nous et nous la repartagerons. C'est le principe. Le semblable attire le semblable. Si vous êtes de Dieu, vous attirerez la lumière divine. Si vous n'êtes pas de Dieu, vous ne l'attirerez jamais. Vous allez vivre la simple vie animale et puis la mort vous surprend. Alors que pour celui qui est né de Dieu, la mort est un accident. Parce qu'il a d'abord réussi la première mort, la mort de son système microcosmique qui était fortement relié à l'univers déchu. Ce système a été détruit de son vivant par l'acceptation des conditions de vie qui mènent à la divinisation de l'être. Il a accepté que tout est son passé, et son passé le plus lointain, et son passé le plus proche, et sa personnalité actuelle. Il a accepté que tout cela soit détruit et remplacé par autre chose. Voilà comment ce processus se fait. Nous allons souffler un bout et puis on va vous dire au revoir tout de suite après. Merci, jaillit le cœur de l'homme. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'impose. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion. Écoutez sagesse, vous ne serez plus jamais le même. Pour terminer, cet extrait tiré de la première épître de Jean, au chapitre 2, à partir du verset 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On lit des choses importantes. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et nie le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite. La vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Fin de citation. Et vous comprenez donc qu'il faut recevoir l'onction. Il faut être un oin. Il faut recevoir l'huile. Et c'est le Fils, c'est la lumière qui apporte. Si vous l'acceptez et qu'elle demeure en vous, alors vous avez reçu l'onction. Et si vous avez reçu l'onction, alors vous entrerez et vous recevrez la vie éternelle. Car la vie éternelle est dans le Père. Et elle se manifeste à travers le Fils. Si vous ne comprenez pas, je vous éclaire cela avec le symbole du soleil. Le Père, c'est le soleil. Le Fils, c'est la lumière du soleil qui éclaire. Celui qui reçoit la lumière du soleil divin a reçu le Père. Car le Fils témoigne du Père. Car c'est le Père qui l'a envoyé. Il n'y a pas de rayon de lumière du soleil s'il n'y a pas le soleil. Le soleil en est le Père, et le Fils, c'est la lumière, et c'est elle qui éclaire tout ce qui est dans les ténèbres. Celui qui reçoit la lumière, c'est celui qui, aspirant véritablement à la rencontre avec la vérité, accepte les conséquences de cette quête spirituelle. Entre autres conséquences, il accepte de ne jamais servir deux maîtres à la fois. Il a choisi de servir Dieu et la lumière, donc, et son Fils. Eh bien, il renonce totalement à ce que le monde lui offre et lui miroite. Donc, il tourne le dos à l'Antichrist et il est libéré de son influence. Et il s'élève avec tous ceux qui
cherche la vérité dans le royaume de la vie éternelle. Voilà le processus, voilà le programme, voilà le projet. Et c'est ce que notre école, l'école traditionnelle africaine des mystères, transmet à l'heure actuelle à l'humanité. Elle est coparticipante de la vie dans la lumière de l'éternité. Elle a été mandatée pour conduire la libération de l'Afrique. Et comme nous savons que dès que l'Afrique est libre, l'humanité entière est libre, vous comprenez pourquoi nous mettons l'emphase sur la libération de l'Afrique. Il n'y a pas de libération possible qui ne puisse se faire à partir de l'esprit. Or, vous avez reçu cet esprit en vous. Non seulement vous qui écoutez, pour certains d'entre vous, vous avez un principe de lumière en vous, mais qui a été empêché de se manifester parce que l'Antichrist vous propose, et je pense ici à la jeunesse africaine, qui actuellement est pilotée et dirigée vers la recherche des emplois, de la situation sociale, prend des risques en traversant les mers, en se faisant manger parfois par les baleines et les requins. Je parle des requins surtout. Eh bien, cette jeunesse africaine, qui pourtant a le trésor sur place, que ceux qui peuvent encore entendre puissent comprendre que celui qui porte en lui une étincelle spirituelle, quand il écoute le message qu'on passe ce soir, il ne peut pas être insensible. Car ce message vient de Dieu. C'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dedans. Et celui qui a une étincelle spirituelle ne peut que réagir. Et sa réaction doit l'amener à entreprendre un chemin de déshabillage, d'abandon et du passé et de sa propre vie et de tout ce qui a été fabriqué depuis la chute de l'humanité. Il accepte d'abandonner consciemment tout cela. Il livre d'un combat parce que tout cela contient des résistances sans nombre. C'est pour cela que ceux des messagers de Dieu qui se retrouvent ensemble pour soutenir l'humanité dans cette voie, et c'est le cas de ce que nous vivons actuellement, ceux-là disent, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pour cela que, encore une fois, notre gratitude, notre reconnaissance, nous l'exprimons envers toute cette nuée de témoins, témoins de la vérité, qui dans tous les domaines de l'existence, invisibles et même visibles, œuvrent pour que la dernière âme puisse être sauvée. Bonsoir à tous, bonne nuit et à mercredi prochain. Mais j'ai le cœur de l'homme. La sagesse apparaît. Le monde se transforme. La justice s'expose. Et l'amour rayonne sur toute la terre. Écoutez
sagesse. Sagesse, philosophie, écologie, spiritualité, santé, religion. Écoutez, sagesse, vous ne serez plus jamais le même.